On va voir une scène presque théâtrale dans la paracha de Vaïgash. Et d'après le comportement des caractères qu'on va voir dans cette scène, vous allez voir à quelle profondeur peuvent arriver les gens de haine gratuite, malheureusement, qui les emmène vraiment, vraiment à se déformer la conscience et l'existence. Il faut savoir que les frères de Yosef, qu'on veuille ou pas, la Torah écrit qu'ils détestaient Yosef. La haine qu'ils avaient pour lui n'est pas une haine qu'on peut effacer. Beaucoup de raisons. Et Yosef en hébreu, c'est la gimatria de kina, jalousie. Voilà. Yosef c'est 156 et jalousie c'est 156. Alors c'est pour tous les Yosef. Le Yosef. Il provoque la jalousie. Eux, ils comprennent pas qu'on est jaloux d'eux parce que pour eux c'est complètement naturel d'être très intelligent. Mm-hmm. Ils sont nés comme ça, ils n'ont fait aucun effort. Mais ceux qui sont pas comme ça, qui doivent faire des efforts à arriver à où ils sont, il y a des problèmes de jalousie. Mm-hmm. Que Dieu nous en préserve. Et comme la plupart du monde ne sont pas les Yosef, Yosef c'est très peu de gens, alors on a un problème de jalousie. Et Yaakov Avinu, quand les frères se sont plaints que Yosef a des rêves bizarres, qu'ils vont venir tous s'incliner à lui, ou bien ils vont tous avoir besoin de sa générosité, Yaakov, Katouv Vaigar be Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a grondé Yosef devant tout le monde. Et après, il est écrit « Vaishmor et Adama ». Ça veut dire que il savait la vérité. Il a pensé que si il va gronder Yosef devant ses frères, ils vont dire « Ah, notre père aussi, il n'aime pas ». Alors, ils vont se calmer. Mais le problème était qu'ils ne se sont pas calmés du tout. Au contraire, ils ont dit « Ah, notre père, il est avec nous. Et la Shrina avec nous. » Et maintenant, on va le tuer. C'est pas facile, c'est pas hein, Yosef. Hein. Et ils ont pris la décision de tuer Yosef. Veratsu l'orgo. Ils ont voulu le tuer. Pourquoi? Batrala veikanogo. Ils étaient jaloux. Après, veisneu. La jalousie emmène la haine gratuite. Tu as eu quelqu'un. Tu as eu quelqu'un qui est l'aîné intelligent. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qui efface son cerveau, même quand son cerveau il est à moitié, c'est plus que. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je vous dis ça parce que c'est tellement douloureux, je vois tellement de familles et tellement de cas que c'est exactement la même chose qui se répète. Qu'est-ce qu'ils veulent de ce Yosef, le pauvre? Qu'est-ce qu'ils veulent chez lui? Il est né intelligent, il est né beau, il est né fort, il est né. Miraculeux. Et qu'est-ce qu'on veut faire, eux? Le Ari Akadosh, il avait le même problème. Rabbi Shimon Baruch Hai, le même problème. Comment la Kabbalah explique ça? Dans la Kabbalah, hein, on explique l'origine des âmes. Pas toutes les âmes viennent du même endroit. Il y a des âmes qui viennent de l'origine, ça s'appelle le cerveau, et il y a des âmes qui viennent de l'origine du corps. Mais c'est quoi la volonté céleste, vous savez? Mashiach ben Yosef, ça sera le cerveau. Mashiach ben David, ça sera le corps. Le corps. Malchut, c'est la malchut. Et qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu? Il veut qu'ils comprennent qu'ensemble, c'est la force. À la fin de la paracha de la semaine prochaine, Vayechi, Yaakov Avinu, il appelle ses enfants et leur dit, donnez-moi la preuve que vous allez rester croyants. Alors, c'est eux qui leur disent. Shema Israël, écoute papa. Israël, c'est Yaakov. Hashem Elokeinu, la rigueur, la miséricorde et la rigueur. Hashem Echad, c'est un pour nous. Alors, il a dit, oh, ils sont arrivés au Keter, Echad. Et Echad, c'est Ahava. Mais après qu'ils meurent, ils vont chez Yosef et ils mentent. Ils lui disent, fais attention. Papa t'a fait jurer que si tu nous fais du mal, à cause qu'on t'a vendu,
Jamais on a vu dans la Torah que Yosef a dit à son père que les frères lui ont fait du mal. Non. Jamais. Pourquoi il ne raconte pas? C'est pas normal quand il rencontre son père après 22 ans qu'il a aimé. Pourquoi il ne lui dit pas, papa, tu sais, c'est lui et lui qui m'ont jeté dans le puits. Il dit rien du tout. Pourquoi? Il a pas voulu faire de peine à son père. Non. Que son père pas ça l'intéresse pas. C'est pas. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Il est dans le cerveau. Il est. Il visionne lui. Alors tu m'as jeté dans le puits. Nous, hein, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as rien fait demain. Et il y a un grand problème. Pourquoi? Parce que quand Yehuda, il voit Yosef, il est écrit dans la paracha. C'est vraiment violent. Vaigash et la Yehuda. Mais c'est Vaigash. Il s'est approché vers lui. Dis-moi, qui tu es toi? Tu es hébreu, qu'est-ce que tu viens faire dans le royaume? Le royaume de l'Égypte, c'est comme aujourd'hui l'Amérique et la Russie ensemble. C'est un royaume. Il lui dit, Vamer Biadoni et Daberna, toi tu vas parler avec moi. Avdecha diber bozna Adoni. Va alicha rabcha b'avdecha. Et ne t'énerve pas, pourquoi? Ki kamocha ke paro. Toi, tu es comme Paro, tu es comme le pharaon. On parle comme ça? Il va égager là. Il dit, toi, qui tu es? Il y a le Kout, qui s'appelle le Kout Maham Loez, qui raconte les histoires de... Et il dit là-bas, dans le Kout Maham Loez, il dit que Yehuda, tellement il lui a montré qu'il est énervé, un cheveu de son corps s'est redressé et a fait un trou dans l'habit de en fer. Il a dit, toi qui tu es, toi? Tu vas nous arrêter à nous, les frères de, les enfants de Jacob, on va t'exterminer. Comme ils ont tué Shrem. Shrem, les gens répondu. Deux ont tué Shrem. Alors nous tous, on va renverser l'Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé de son pied. Qu'est-ce que c'est toute cette histoire-là de violence et de... Yosef, il est assis sur son trône. Il ne parle pas. Il ne dit rien. On le menace, il dit rien. Son fils Menaché, il dit que... Comme ça, tu parles à mon père? Il s'est levé, il a donné un coup par terre, il a tranché l'Égypte, il a fait tomber par haut. Quand Yehuda a tapé, Égypte a tremblé. Mais quand Menaché a tapé, il a coupé l'Égypte en deux, et Pharaon est dans... tombé du trône de 70 étages. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toute cette violence? C'est toujours la haine, alors. Ou la peur. Quand on haït quelqu'un, on a peur de lui. C'est de l'imagination pure. Mais ils avaient peur parce qu'ils se rappelaient de ce qu'ils avaient fait. Parce qu'ils avaient du remords. Bien sûr qu'ils savaient très bien. Mais ce sont les enfants de Yaakov. Ça y est, Yaakov, c'est Israël. Maintenant, je vais vous dire un grand secret. Si étant parents, on n'a pas résolu un problème dans notre vie, nos enfants vont le résoudre. Si étant parents, on n'a pas demandé pardon à tout ce qui existe sur Terre, et on a accepté tout ce qui existe sur Terre, nos enfants vont revenir, vont revoir, vont revivre tout. Nous, on doit bénir nos enfants qui est leur vie et non pas notre vie. Si les parents, par exemple, ils n'ont pas l'amitié entre les frères, c'est pas, il n'y a pas d'amitié. Après, les parents, ils pleurent que leurs enfants n'ont pas d'amitié entre eux. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont reproduit ce qu'ils faisaient. Pour eux, c'est naturel de se comporter comme leurs parents. Maintenant, les parents, ils ont mal de ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Qui sait qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Les enfants? Personne ne peut rien faire. Mais, il y a un grand, grand mais. Ne pas mettre la haine. On peut ne pas se voir, on peut...
ne pas trop se, être dans le quotidien ensemble, ça va. Il y a des familles qui sont toute la journée ensemble, il y a des familles qui ne sont pas. Mais, et un grand mais, kavod. Quand on se voit, kavod. On n'est pas obligé d'être les amis les plus grands du monde. Mais le kavod, il faut se donner. Ça, c'est réparer le problème de ses parents. D'accord ? On hérite, on a l'héritage des choses. Et dans cette paracha, on voit, c'est affreux ce que je vous dis, c'est affreux. Yaakov, quand il revient de Laban, il prépare une guerre entière contre son frère. Il allait presque exterminer toute la terre d'Israël, tellement il est venu. Et son frère, il vient, il court vers lui, il l'enlace. Pourquoi tu fais une guerre contre moi? Qu'est-ce que... Je suis parti, moi, à la chasse, avec 400 soldats. Toi, tu parles que je suis venu avec 400 soldats. Toi, tu es venu avec 60 millions de chèvres. Imaginez-vous combien de chiens, combien d'esclaves, combien de chameaux, combien de... Il lui dit, je t'ai rien demandé. C'est quoi tous ces cadeaux-là que tu me donnes? Yaakov lui dit, non. Si tu ne reçois pas les cadeaux et tu veux faire la guerre, eh bien voilà, je suis prêt à faire la guerre avec toi. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Pourquoi Yaakov a fait ça? Parce qu'il a volé. Et ça? Regardez comment ça se reproduit chez ses enfants. Yehuda, qui a jeté Yosef dans le puits, parce que Yehuda c'est Melech HaMashiach Memalchut David, et Yosef Melech HaMashiach Memalchut Yosef, il ne voulait pas dans son réseau, il a jeté, lui il voulait le tuer. C'est Reuven qui a dit non, on ne va pas tuer. Maintenant tu reviens vers ton frère, tu vas faire la guerre, tu vas exterminer l'Égypte. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? On t'a fait du mal, quelqu'un t'a frappé, quelqu'un t'a... D'où vient cette haine? D'où ça vient? Ça, c'est l'héritage qu'on donne à nos enfants subconscients. La façon qu'on est, nos enfants, dans le Zohar HaKadosh, qu'est-ce qu'il écrit? Dans le Zohar HaKadosh, je dis que chaque enfant prend un angle de notre caractère et le grandit en un être humain entier. Ça peut être aussi positif. Bien sûr, positif. Dans chaque personne, il y a la face positive et il y a la nuque négative. Est-ce qu'il y a une personne qui n'a pas positive? Moi, je n'ai pas encore rencontré ces personnes. Tout le monde sont gentils. Il faut juste voir. Le gentil. Mais tout le monde est gentil. Qui n'est pas gentil? Voir le bon point et l'agrandir. Et s'arrêter là. Oh bien, qu'est-ce qu'on va faire avec le mal? Le mal, c'est... Alors Yosef, à Tzadik, il est assis sur son trône. Et pourquoi dans la paracha, on n'entend pas Yosef parler? Pourquoi Yosef ne crie pas? Pourquoi Yosef ne frappe pas? Pourquoi Yosef ne prend pas ses soldats et dit couper leur tête? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Yehuda il dit comme ça. Vata yeshev na avdecha tachat anar eved l'adoni va anar ya'al imechav. Yehuda, après qu'il dit je vais t'exterminer tout, il dit je serai ton esclave. Est-ce que Yosef a demandé des esclaves? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Je t'ai demandé quelque chose? Non. Regardez qu'est-ce qui se passe. Velo yachol Yosef l'itapek. Et Yosef ne pouvait plus se retenir. L'école a nitzavim alav. Sur tout ce qui était là-bas, parce que c'était. C'est pas que Yehuda est venu dans une petite chambre et ils se sont bagarrés. C'était un spectacle. Vaikra otsu kodish me'alai. Je demande d'enlever tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Velo amad ish ito bidvada Yosef elecha. Personne n'était quand Yosef a fait quoi? Il s'est dévoilé à ses frères. Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe. Vaiten et kolo bivri.
Vaishmiou Mitzrayim, Vaishma Bet Paro. Pourquoi il pleure? C'est lui le roi, c'est lui qui a les soldats, c'est lui qui a toute la richesse du monde dans ses mains, c'est lui le plus puissant qu'il y a sur terre. Qui c'est Yehuda celui-là? Il fait apti, hop! Mais. C'est son grand frère. Un des plus grands travaux qu'on a à faire dans notre vie, c'est de grandir. De oublier ce qu'on était quand on était jeune. C'est pas possible, à l'âge de 50 ans, affronter son frère ou son père ou sa mère comme un enfant de 9 ans ou 10 ans. Et la plupart des gens, leur âge sentimental ne grandit pas. On voit des gens adultes se chamailler comme des bébés et tu te dis quoi, ils ont 60 ans ceux-là ou quoi? Quel est le problème? Le problème est qu'on ne nous a pas éduqués d'évoluer. On ne nous a pas éduqués de quoi? De grandir et être aujourd'hui l'âge qu'on a aujourd'hui. Il y a des gens de 60 ans qui pensent qu'ils ont 20 ans. Et ils font des bêtises comme à 20 ans. Et après, le dos se trempe. À 20 ans, tu avais un muscle et un squelette certain. Et à 60 ans, il faut aller un peu plus doucement dans la rue. Il ne faut pas courir. Il ne faut pas lever deux pastèques dans chaque main. N'empêche que tu étais capable quand tu avais 20 ans. Alors Yosef, la question qui se pose est, pourquoi Yosef pleure? Qu'est-ce que tu as pleuré? Tu peux dire, je te pardonne. Tu peux dire, je suis Yosef. Pourquoi il doit renvoyer tout le monde autour de lui? Mais il est écrit, Vaishma Bet Paro. Tout le monde a entendu qu'il pleure, donc il n'a pas pleuré. Parce qu'il a vu que 22 ans ont passé et rien n'a changé. Mais lui, Yosef, 22 ans ont passé, il est devenu le roi d'Égypte. Ses frères, 22 ans ont passé, ils sont toujours pareils. Ils sont restés à la même petite tribu, à Canaan là-bas, en train de manger des herbes. Il a pleuré. Regardez ce qu'il dit. Vayomer Yosef Elecha. Yosef dit à ses frères, Ani Yosef. C'est moi le Yosef que tu viens de me raconter, parce qu'il y a une histoire qui lui raconte qu'un des frères a été mangé par un animal, Torof, Torof, Yosef. C'est un mensonge. Le Malbim dit, comment la Torah écrit des mensonges? Mais c'est quoi un mensonge? C'est pas une vérité. La vérité appartient à la personne. Si pour eux la vérité était de dire à Yaakov que Yosef a été dévoré par un animal, parce qu'ils étaient sûrs que ça se passe comme ça, alors pour eux c'est leur vérité. Ils sont restés dans la mémoire d'une vérité qui n'a jamais existé. Yosef, il est au milieu. Et regardez ce qu'il dit. Ani Yosef, encore une fois, il dit, Aod Avichai, est-ce que mon père est vivant? Vous savez qu'est-ce qu'il leur fait? Il leur dit quoi? Vaigashelav, tu étais en face de moi. Et il est écrit que Yosef était exactement le visage de son père. Tu vois pas ton père devant toi? Il ne veut pas voir. Vous avez compris le choc? Et pourquoi ils disent pas notre père? Pourquoi ils leur disent pas notre père qui dit mon père? Parce que si eux, en voyant Yosef, ils n'ont pas reconnu leur père, alors c'est pas leur père. Effectivement. Wow. Si eux, ils étaient capables de mentir à leur père, lui faire du chagrin 22 ans, pour un mensonge, alors ça veut dire que c'est le père. Si vous avez pitié de notre père, ben c'est notre père. Mais non, c'est mon père. Pourquoi c'est mon père? Je suis le seul des frères qui ressemble à notre père. Qu'est-ce qu'on voit? C'est une pièce de théâtre. Pourquoi? Parce que Yosef a tzadik au milieu.
Il y a Yaakov et il y a Yehuda. Yehuda a fait du chagrin à Yaakov 22 ans. Pourquoi ? Pour le décès de Yosef. Donc lui, dans sa conscience, Yosef n'existe plus. Il a effacé. Mais il est écrit dans les livres, vous savez, du Haré à Kadosh, il est écrit « Amet mishtakach menalev ». Quand quelqu'un est mort, ça y est, on l'oublie. Avalachai, et non, mishtakach menalev. Si on dit à quelqu'un qu'il est mort et on n'arrive pas à l'oublier, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment mort. C'est pour ça que Yaakov n'a pas voulu prendre le deuil sur Yosef 22 ans. Oh, Dieu sait, frère! Parce qu'il n'a pas eu la preuve qu'il était mort. Non, parce qu'il n'a pas eu le sentiment du décès. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. Toute l'histoire des enfants du Yémen. Et il y a des Marocains et des Algériens et des Irakiens. Ils ont bien trafiqué ce qu'il faut. Bien trafiqué. Pourquoi les mères pleuraient? Où il est mon fils? Où il est mon fils? Bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils disent? Elle est folle. Une mère est folle, une mère elle sait si ses enfants sont morts ou sont pas morts. Ouais. Des fois des femmes, elles sont enceintes, elles ressentent, ça y est, il est mort. Elles vont chez le docteur juste pour qu'ils lui disent qu'il est mort, mais elles sentent qu'il est mort. On ne peut pas oublier quelqu'un vivant, on ne peut pas l'oublier, il est vivant. Pourquoi? Parce que son énergie est dans le monde, les ondes qui créent sont là. Mais Yosef, qu'est-ce qu'il a dit? Ani Yosef, à Od Avichal, est-ce que vous n'avez pas vu que vous parlez avec Yaakov? Est-ce que vous n'avez pas vu que vous parlez avec votre père? Mais il avait un masque, on ne dit pas qu'il avait un masque. Non, il était comme les Égyptiens, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de barbe. C'est ce qu'ils disent dans la. Qu'il n'avait pas de barbe, qu'il était maquillé au niveau des yeux. Non, il n'avait pas de barbe. Il avait le visage de son père. Maintenant, je vais vous donner une preuve, parce que ce que vous dites, c'est bien de dire ça, mais. C'est pour prouver quoi? Que Yehuda a raison? Il n'a pas raison. Qu'est-ce qu'on va le faire? Qu'il a raison. Je vais vous donner une preuve. Il est écrit que Yosef, quand il était avec la femme de Potiphar dans la chambre, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a vu le visage de son père en face de lui. Vous savez pourquoi? Parce que le Midrash dit qu'elle a mis toute la chambre, il y avait des miroirs. Alors Yosef, à un moment, il est écrit qu'il était sur elle. Il a vu en face de lui, qu'est-ce qu'il a vu? Ça fout à lui en vrai. Il a vu son visage. Mais non, il a vu son père. Alors il a dit, moi, je suis le fils de mon père, je vais faire une chose comme ça? Non, même si je veux recevoir la prison. Alors maintenant, Yehuda, tu as le même épreuve. Tu vois en face de toi, Yosef HaTzadik, qui est Yaakov. Et vous savez, c'est qui? C'est Adam Arishan. C'est des... visage pas ordinaire comme nous. C'est le premier homme, c'est Yaakov Avinu, c'est Yosef HaTzadik, c'est des visages impressionnants. Et Yehuda, eh bien, toi tu es... Toi tu m'appelles Paro, moi Paro. Comment tu as vu Paro toi? C'est pour ça qu'il pleure. Il dit, tu dis à ton père Paro, vous imaginez un peu? Oui. Au moins elle dit rien. Ou bien elle dit je suis comment dire, je vais changer moi contre mon fils. Tu peux dire ça contre mon frère. Mais pourquoi toute cette bah égale, je l'ai vu Yehuda, moi je allô, calme-toi. Parce que quand les gens ont dans eux une mauvaise action qu'ils ont fait dans leur passé. Un remords. Et ils n'ont pas nettoyé. C'est ce que je vous dis, que cette bêtise-là qui s'appelle la culpabilité, c'est une bêtise. Pourquoi? Parce que ça transforme la personne en animal. Ça suffit, tu as fait une erreur, demande pardon, laisse l'erreur derrière toi. Mais si tu la prends avec toi, maintenant, elle va te déformer la tête. À quel point? Au point que tu peux voir en face de toi Yaakov,
et le traiter par haut. Qui kamochake par haut. Les sages disent, oui, on va t'exterminer comme Paro. Hé, Yaakov est devant toi. C'est la haine qui les rend aveugles. Ça veut dire... La culpabilité. C'est la culpabilité, Rabbanit. Ça veut dire que quand la personne ne se perdonne pas des actions qu'elle a faites, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ça se renverse en comment? En un comportement animal. Il était prêt à tuer Yosef. Vous imaginez un peu? Il voit son père, mais il ne voyait pas son père. Il ne voyait pas. C'est ça le chagrin. C'est pour ça que Yosef pleure. Il lui dit, dis-moi, t'es devenu complètement fou. Et c'est pour ça qu'il a renvoyé tout le monde. Il a dit, je ne veux pas faire honte à mes frères. Pourquoi? Parce que Yaakov va venir. Nous, on a seulement une petite partie de l'histoire, mais il faut regarder l'histoire en grand. Tous ceux qui étaient à côté de Yosef, ils ont entendu Yehuda parler comme ça avec lui. Yaakov, il va venir en Eretz Mitzrayim. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir le double de Yosef. Ils vont se dire, comment le fils a parlé comme ça sur le père? Alors Yosef, imaginez-vous, il ne voulait pas les intimider. Il ne voulait pas qu'il ait honte. Comment on dit en japonais, vous savez? L'archum. Il ne voulait pas l'archum. Il avait peur pour lui. Non. Et eux, ils continuent avec leur histoire. Et ils continuent avec les mensonges. Vous savez combien de fois dans cette paracha, Yosef pleure? 8 fois, il pleure. Le maître du monde, tu pleures? Maintenant, on va se poser la question. Pourquoi Yosef ne sait pas parler? Parle, exprime-toi. Et on voit Yehuda, tout un discours. C'est comme vous allez au tribunal. Il y a un avocat qui donne ses discours et et un autre avocat, il dit quelques mots et c'est fini. Qui va gagner? Celui qui a fait un grand discours. Nous, Yosef, pourquoi tu ne parles pas? Vous savez pourquoi il ne sait pas parler? Parce que quand il voit Yehuda se comporter comme il se comporte, il n'a aucune parole pour lui. La différence est tellement grande que qu'est-ce qu'il va lui dire? Quand il est parti voir Paro, Yosef, il avait un grand discours. Le rêve et les vaches et tout ce que... Il savait parler. Pourquoi? Parce que Paro était à sa hauteur. Yehuda... Tout le temps avec la force. Tout le temps avec l'audace. Qu'est-ce que tu veux que je te parle? Quels sont les points communs entre nous? Aucun point commun. Ce sont deux discours différents. D'où viennent les discours différents malgré qu'on parle la même langue? Bah parce qu'ils ne grandissent pas, il y en a un qui ne grandit pas et qui ne veut pas. Parce qu'il y en a un qui vient. Un qui est dans la vérité et un qui est dans le mensonge. Non! Non, non. C'est de la polarité, Ravani. Regardez, ça c'est un feutre. Est-ce que ça c'est le feutre? Non, c'est une partie du feutre. Oui, c'est le feutre. Et ça c'est pas le feutre? Si. Ça c'est noir et ça c'est blanc. Quelle couleur a le feutre? Noir et blanc. Noir et blanc. Noir, non, il est noir. Les parce deux, que noir. Non, c'est pas le feutre, ça. C'est quoi ça? C'est le plastique. Si un enfant vient dans la chambre, je lui dis, dis-moi c'est quoi ça? Il va te dire le feutre. Et ça, le feutre. Et ça, le feutre. Alors c'est quoi le feutre? Ça s'appelle polarité. Chaque, toute existence dans ce monde ne peut pas vivre sans polarité. La polarité, c'est ce qu'on appelle l'énergie. Pourquoi? Le changement, la différence entre les pôles fait qu'il y a un mouvement. Et le mouvement, c'est l'énergie, c'est la vie. Donc Yosef et Yehuda, c'est deux polarités. Ils sont extrêmes. Un, on voit aussi quand Yosef, on parle de l'histoire de Tamar. Il vient, il est avec sa belle-fille, et il emmène deux enfants, et la vie continue, personne ne s'arrête. Yosef HaTzadik, le pauvre, elle lui a cassé la tête, l'autre, la femme de Potiphar, et il rentre en prison 12 ans.
Et la vie ne continue pas comme ça. Hein. Et de la prison, hop, on l'envoie à être un roi. Et maintenant, les deux rois se rencontrent. Pourquoi Yosef pleure? Parce qu'il se dit, qu'est-ce que j'ai avec celui-là? Qu'est-ce qui m'apporte dans la vie celui-là? Qu'est-ce que j'ai besoin de lui maintenant? S'il est arrivé à un stade qu'il n'a pas assez de sensibilité de voir que je suis son père, il ne voit pas que c'est Yosef son père, il ne voit pas. Quand ils ont jeté Yosef dans le puits, il ne savait pas qu'il avait l'habit spécial de son père qui lui a donné. Et qu'est-ce qu'ils font par cruauté? Ils prennent l'habit que Yaakov a donné à Yosef et lui emmènent plein de sang. Vous savez la force qu'ils ont eue? Ils ont tué un lion pour le mettre dans le sang. Non, alors, ils étaient forts ou pas? Ah, jusqu'à où va la haine? Jusqu'à où? C'est pour ça que Yosef pleure. Il leur dit quoi? Vous n'avez pas compris? Et quand il rencontre Benjamin, il pleure encore une fois. Pourquoi il pleure? Le Midrash dit, là vous connaissez le Midrash, il dit « Al-Khurban Bet HaMikdash Val-Khurban Mishkan Shilo » Il pleure un sur l'autre que le temple a été détruit. Pourquoi il pleure? Parce qu'il y avait la haine gratuite. Et la haine gratuite, c'est elle qui crée que le temple se détruit. Alors ils ont pleuré un sur l'autre. Et Yosef leur dit, jusqu'à où et jusqu'à quand cette haine gratuite? Ça, Yosef a pleuré. Ça, il a pleuré. Il a dit, Ahod Avichai, tu vois pas avec qui tu parles. De ça, il a pleuré. Tu vois pas avec qui tu parles. Tu te permets ce que tu veux. Tu nous joues les super nerveux, tu fais sauter les poils et tu nous fais toute une fantaisie. Qu'est-ce que c'est ça? Tu n'as même pas réussi à voir le visage de ton père devant toi. Alors qu'est-ce qui t'intéresse? Toi-même, tout seul, l'égoïste. C'est quoi la malchoute? Moi. Tout pour moi, donne-moi tout. Et Yosef dit, je suis venu, je vous ai avancé. Pourquoi? Pour vous donner à manger. Je suis là, pas pour moi. Je suis là pour vous. C'est un problème qui vient de la Torah. C'est le problème qu'il y avait entre le premier homme et le serpent. C'est le premier problème qu'il y avait entre Avraham Avinu et Lot. C'est le problème qu'il y avait entre Yitzhak et Ishmael. C'est le problème qu'il y avait entre Esav et Jacob. C'est le problème qu'il y a entre Yosef et Yehuda. Et ça continue, ça continue. Il y en a deux. Non, écoutez. Il y en a un qui a réparé ça. Une fois. Non. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, 7 jours et 7 nuits, était sur la montagne. Et il parle avec Akadosh Baruch Hu. Et tous les commentateurs de la Torah disent qu'est-ce qu'il avait à lui dire. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit? Si tu me donnes mon frère avec moi, oui. Sinon, non. Alors il dit, pourquoi? Qu'est-ce que tu as besoin de lui? Il a dit, Moshe va Aaron, Aaron veut Moshe. Et Moshe était plus grand. Tu demandes ton petit frère. Oui, mais Moshe était bègue. Non, Rabbanim. Moshe a dit, moi, je ne veux pas parler. Mon frère sera mon porte-parole. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'il y ait la paix entre les deux frères. Mmh. Moshe s'est humilié. Pour faire quoi? C'est Moshe qui a habillé Aaron. Vous savez quel habit il est habillé? C'est Moshe qui l'a emmené pour l'enterrer. Qu'est-ce qu'il nous a montré? Que le peuple d'Israël peut sortir de l'exil seulement quand Malchut Yosef et Malchut Yehuda, ils sont frères, ils sont amis. Il faut chercher tout le temps les points de l'amitié. Les gens ne comprennent pas.
Ils ont parlé, vous savez, les discours qu'on connaît d'habitude. Un homme, c'est pas comme une femme. Blablabla. À un moment, ils m'ont fait mal à la tête. Je leur ai dit, jusqu'à quand ces discours-là, que les femmes, c'est des monstres, et les hommes, les pauvres victimes des monstres. Et ces gens-là rigolent, mais c'est pas du tout une blague. Alors je leur ai dit, est-ce qu'un homme, c'est une femme? Non. Est-ce qu'une femme, c'est un homme? Non. Pourquoi tu veux qu'ils soient la même chose? Pourquoi? Je leur ai dit, Akadosh Baruch Hu a créé une sphère qui s'appelle Homme, Adam, Echad, Adam. Ish, Visha, Adam. L'homme et la femme, c'est un être. Ne demande pas à la femme de devenir l'homme et l'homme devenir la femme. Non. Au contraire. Enseigne aux gens que quoi? Yesh Malchut Bet Yosef, c'est l'homme. Yesh Malchut Bet Yehuda, c'est la femme. Chacun a sa place. Et quand chacun est à sa place, mais uni, on a un feutre, on a un verre, on a une table, on a tout ce qu'on veut. Mais imaginez-vous, une fois j'ai été dans la rue en voiture. Et vous savez, toujours on a les yeux critiqués. Ah, t'as vu celui-là, t'as vu celui-là, vous êtes. Je me suis dit, dis-moi, qui te permet toi de critiquer? Tu peux critiquer. Alors j'ai pensé, je voulais positiver. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Nous, dans notre corps, qu'est-ce que les gens voient? Les membres intérieurs ou les membres ou ce qui est extérieur? C'est extérieur. Il y a des cheveux, il y a des ongles, il y a des doigts, il y a des traits. J'ai dit, imaginez-vous que le doigt, il dit, hop, stop, qu'est-ce qu'il y a? Je suis critiqué, on me coupe, on me jette, on me... Ça y est, c'est fini. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai l'ADN du cerveau. Tout le monde honore le cerveau et le cerveau... Eh bien, je transforme être un cerveau moi-même. Imaginez-vous ça. On peut vivre. Le cerveau, il ne sait pas marcher. Le cerveau, il ne sait pas manger. Ah, comment on aurait vécu? Alors, j'ai compris qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le tout, l'entier. Il y a les racines, il y a le tronc, il y a les branches, il y a les feuilles, il y a les fleurs, il y a le fruit. Ça, ça s'appelle un arbre. Ça, c'est la paix entre les polarités. Et c'est ça ce qu'il attend de nous à Kadosh Baruch. Vous savez, hier, j'étais tous les lundis, j'étudie avec Dr. Drimer. Behemet, c'est des discours que... Très rare qu'on peut avoir des échanges comme ça avec quelqu'un qui voit, qui visionne tellement haut. Et hier, on a parlé des grandes lumières. Et je lui ai dit, tu sais, c'est quoi la volonté céleste? Il m'a dit quoi? Il dit, lui, il veut que nous, les sages de la Torah, les sages de la médecine, les sages de la science, les sages, qu'on dise tous une chose. Quand on va être unis, alors le Mashiach va se dévoiler. Regarde comme ça. Il dit, de quoi tu parles? Je lui dis, tu sais, on dit qu'Einstein a inventé la physique quantique. Dans le Tikkun Zohar, Tikkun Ein, il y a une phrase qui dit que l'énergie, c'est des traits et des vagues. Regardez dans Google, écrivez physique quantique. Ils vont vous dire, c'est une énergie qui va en trait et en vague. J'ai dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était il y a 2000 ans. Comment il a écrit la physique quantique? Il m'a dit, eh bien oui. J'ai dit, tu sais c'est quoi le problème? Que les Romains, à son époque, ne voulaient pas accepter ça de lui. Ils ont dit, non, les sages de la Torah, mettez-les dans les grottes. Les frères de Yosef n'ont pas accepté la sagesse de Yosef. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ah, toi, tu es devenu un savant, tu es devenu un docteur, tu es devenu un paro, tu es devenu. Nous, on a gardé. Qu'est-ce que tu as gardé? L'image de ton père, tu as perdu. Et il est encore vivant. Et tu me parles de quoi ce que tu as gardé? Alors Yosef, il pleure. Pourquoi? Il leur dit, venez. Je vais vous enlacer. Pourquoi eux, ils ne viennent pas l'enlacer à lui? C'est qui le roi?
Mais Yosef, il dit, moi, je suis rien du tout. On doit être unis. Ça a aidé quelque chose? Ça n'a rien aidé. Vous savez pourquoi? Parce qu'après, Yosef fait descendre son père. Et quand il fait descendre son père, qu'est-ce qu'il fait? Il les met tous à Goshen. Et lui, il retourne à Ramsès, là-bas, dans les pyramides, être avec le pharaon. Et la prochaine fois qu'il voit Yaakov, c'est quand, 17 ans après, quand Yaakov va mourir. Non, c'est une vie, ça. Et il donne à manger au peuple d'Israël jusqu'à la fin de sa vie. 80 ans. Yosef nourrit, vous savez combien de gens? Yaakov, déjà, il a vu 600 000 descendants. Yaakov a vu. Et Yosef, allez, prenez le blé, prenez les moutons, prenez tout le bien qu'il y a dans l'Égypte et dans ses frères. Qui t'a demandé ça, Yosef? Il a dit, on se rapproche un peu, on est... Ça, nous, on doit comprendre. Plus on évolue dans l'étude, et plus on doit rechercher les points communs. Chaque fois qu'on dévoile un secret, il faut vite, vite, vite le dire. À tout le monde. Pourquoi? Trouver un autre qui a dévoilé ça, et un autre qui a dévoilé ça. Pourquoi? Pour unir les lumières, pour que la lumière de Mashiach se dévoile. Le Zohar Kadosh dit, le Mashiach va commencer à se dévoiler 5600 depuis le commencement du monde. 5600. Et dit le Zohar Kadosh Parashat Vayera que sa lumière va commencer à rentrer dans la connaissance. Et après, l'homme, puisqu'il y aura un homme, l'homme se dévoilera. Mais ça veut dire quoi que la lumière du Mashiach rentre dans notre conscience? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Rabbeinu Bechaye, qui est un des commentateurs sur la Torah, explique. Il dit la séparation qu'il y a entre le savoir divin et le savoir matériel, c'est ça, les 6000 ans qui sont de séparation. Le 7e millénaire sera l'union. C'est quoi cette union, vous savez? Prendre de l'huile dans une chambre obscure et en transformer une lampe. Vous savez quelle sagesse c'est? De l'huile, un verre d'huile. On met une mèche de coton, on l'allume, la chambre est illuminée. Qu'est-ce qui illumine la chambre? La flamme, la mèche ou l'huile? Le tout. L'union. Ça, c'est ma chère. Toujours l'ensemble, toujours être unis, malgré la différence, en connaissant la différence. En acceptant la différence, dit ma tante. Oui, je sais que tu n'es pas comme moi. Je sais. Et je t'aime quand même. Pourquoi? Parce que tu es comme Dieu a voulu. Est-ce qu'on s'est choisi? Yosef leur dit tout le temps, Elohim shelachani, ani mishu, ani klou, ma ani. Elohim shelachani, Dieu m'a avancé pour tout ça. Alors, pourquoi vous avez la haine contre moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi, Yosef? C'est pas ça, les parents qui ont donné la haine entre frères. Pourquoi? Parce que les parents voulaient protéger l'enfant qui est spécial. Ouais. Mais ils ne comprennent pas que en lui faisant du mal devant ses frères, ouais, ça ne va pas le protéger, au contraire, ça va activer. Yaakov a donné plus d'amour à Yosef, une seule raison. Il s'est marié, tout ce mariage avec Lavan, parce qu'il était amoureux de Rachel. C'est tout. L'étude qu'on a de cette paracha, c'est une étude très, 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 très importante. Les gens qui sont Yosef, écoutez-moi bien, ce sont les gens qui peuvent comprendre Yehuda. Le Yehuda ne comprendra jamais de sa vie Yosef. Point à la ligne. C'est impossible, vous comprenez? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Une chose, et c'est ce que Yosef fait. Aimer. Il est descendu de son trône, il les a enlacés. Il les a embrassés. Il leur a donné à chacun des cadeaux.
Pourquoi tu donnes des cadeaux? Il leur a dit, prenez du manger, prenez tout ce que vous avez besoin. Allez emmener mon père. Et faites vite. Pourquoi? Parce qu'il y aura encore 5 ans de sécheresse. C'est ça ce qu'on doit faire. On doit se reconnaître chacun à sa position. Être très content de notre création. Moi, je suis l'homme le plus heureux du monde que ma femme, c'est Yehuda cartésienne comme ça. Sinon, comment j'aurais pu vivre? Vous comprenez? Elle doit être très contente qu'elle a trouvé un mari qui est... feu d'artifice toute la journée, il fait des... N'arrête pas. Oui, c'est de l'amour. Mais ça, c'est l'amour. C'est l'union. Au lieu de critiquer. T'es un peu comme... Pourquoi tu te maries avec elle? Laisse-la tranquille. Pourquoi tu critiques? C'est une conscience alors l'union. Oui, Rabbanit. C'est conscience que malgré qu'on est opposé, Baruch Hashem, qu'on est différent. On est complémentaire. On est un. Parce que le feutre a besoin du récipient plastique, il a besoin du bouchon, il a besoin du feutre qui a là, il a besoin de l'encre, il a besoin de tout. Et maintenant, on peut utiliser. Un couple, quand il est complet, on peut l'utiliser. Mais quand toute la journée, il y a des... Bevechi, Bevechi, Bechi, en gimatria, c'est Bet, Chaf, Yud. Ça fait 32, lèvres. Pleure, ça fait... Lèvres, cœur. C'est pour ça que Yosef, il pleure. Il leur dit, le seul intermédiaire entre nous, c'est le cœur. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Parce qu'il ne sait pas parler.